Coucou, salut, salut mes amours, comment vous allez? J'espère que ça va, j'espère que la santé ça va. Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle de secrets de femmes, secrets des hommes, on parle de la cuisine, on va parler un peu de tout sur cette chaîne. Alors, bienvenue à toi. Je ne peux commencer sans dire merci. À vous mes abonnés fidèles, à vous qui me suivez, à vous qui m'encouragez, je vous dis toujours un grand merci. Grâce à vous aujourd'hui, je suis à presque 4000 abonnés. C'est tout simplement incroyable. Alors, je vous viens avec une nouvelle vidéo. Voilà, on va parler d'une boisson aphrodisiaque, naturel et bon pour la santé. Vous savez souvent quand un homme est fatigué, quand un homme est stressé, quand un homme, quand ça ne va pas dans sa tête, franchement, le moteur n'arrive pas à fonctionner correctement. Il n'arrive pas vraiment à démarrer. Quand je dis le moteur, je pense que vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Voilà, comme il y a des enfants qui nous regardent, on va pas trop parler, on va pas dire les noms. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, le moteur n'arrive pas à fonctionner comme il faut. Donc, cette boisson-là, mon frère, ça va t'aider tout simplement à pour que tu sois en forme, en fait, en forme, pour que tu sois vraiment au top. Voilà. Donc, pour faire cette boisson, on a besoin de trois ingrédients. Voilà, poivre noir d'Afrique en poudre. Moi, je l'ai déjà en poudre. Poudre de gingembre et trois clous de girofle. Si vous n'avez pas en poudre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout simplement mixer dans un mixeur, avoir la pâte pour faire votre boisson aphrodisiaque. Comment préparer cette boisson? C'est très simple. Vous prenez une casserole avec 1 litre d'eau, comme vous voyez sur la vidéo. Vous mettez le tout des ingrédients. Voilà, et vous laissez tout simplement préparer 15 minutes et là, votre boisson aphrodisiaque, elle est prête. Vous laissez refroidir et vous tamissez. Voilà, vous prenez un verre à jeun le matin et un autre verre le soir au coucher. Au bout d'une semaine, vous allez voir un changement. Vous allez voir que vous vous sentez encore mieux. Vous allez voir que vous êtes encore plus en forme. Les femmes aussi peuvent boire, mais je ne vais pas vous mentir que c'est un peu difficile à boire. Parce que vous savez, le poivre noir d'Afrique et les clous de girofle, c'est un goût en fait qui est un peu fort. Voilà. Mais sinon, franchement, ça soigne vraiment. Donc, si toi, tu connais cette boisson, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça va toujours aider des personnes. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification, partager. Voilà.